Bonjour à tous, je suis Jean Fontani, bienvenue dans cette vidéo. Alors, comme chaque semaine les amis, la seconde promotionnelle, n'hésitez pas à vous abonner. On approche les 13 000 abonnés, donc abonnez-vous, voilà, faut qu'on y arrive avant la fin de l'année, donc il reste juste 15 jours, voilà, et ça serait cool si on pouvait finir l'année à 13 000, ça serait vraiment vraiment chouette, donc je compte sur vous. Aujourd'hui, je vous propose qu'on teste ce micro que j'ai monté il y a exactement une semaine sur cette guitare, qui est un Dimarzio DP187. Alors, pourquoi j'ai monté ce micro sur cette guitare? Puisque j'avais déjà un micro que j'aimais beaucoup, qui était un simple bobinage. Et d'une certaine manière, j'aurais préféré le garder, parce que j'aime beaucoup le son des simples bobinages en micro manche sur une Strat. C'est même, j'ai envie de dire, presque le principal intérêt des Strat, c'est vraiment ce micro manche. En tout cas, moi, c'est vraiment le son que j'adore. Mais en fait, j'avais un problème avec ce micro qui est très simple, c'est le buzz. C'est-à-dire que dès que vous jouez avec des sons assez saturés sur et puis des effets, de la reverb, du délai, des choses comme ça, vous cumulez tout ça, dès que vous jouez sur un simple bobinage, il y a du buzz. Surtout si vous faites des concerts et que vous vous retrouvez souvent dans des configurations où le système électrique local est relativement, basique, on va dire. C'est-à-dire que vous avez une prise pour brancher tout, sono, lumière, ampli, tout, la totale. Et donc, fatalement, ça crée des buzz. Et donc, je vais vous faire écouter. Donc là, je monte le volume. Donc là, je suis sur le son le plus saturé qui est possible d'avoir. Hein. Reverb, délai, tout le truc. Donc, j'ai du souffle. Mais je n'ai pas de buzz, je suis sur le micro double ici. Je vais maintenant me mettre sur le micro simple tout seul ici, vous allez voir la différence. Voilà. Il y a du buzz ou du hum, je ne sais pas comment on dit. Je me remets sur le micro double. Hop. Alors, évidemment, si je vais sur le micro aigu, pareil, je ne l'ai pas, j'ai que du souffle. Dès que je vais au micro central, voilà. Disparaît dès que je change de micro, dès que je vais sur un double bobinage en fait ou un son hors phase. Et donc évidemment avec le micro simple bobinage que j'avais en micro manche, j'avais ça, bon c'est gérable, hein, on peut le gérer, on fait attention à la position de micro sur laquelle on est quand on est dans les silences, tout simplement sur le son qu'on a, enfin sur le son sur lequel on est sur son pedalboard à ce moment-là. Mais bon, je vous avoue que avec l'enchaînement des concerts et tout ça me saoulait un peu. C'est-à-dire que les petits détails que peut-être vous qui êtes chez vous, qui jouez de temps en temps, ça vous dérange pas. Mais au bout d'un moment, quand on joue beaucoup et qu'on tourne beaucoup, c'est ce genre de petits détails, en fait, ça devient juste usant. Et donc, je me suis mis en quête de mettre un double bobinage en position grave, sachant que je voulais quand même essayer de garder un peu le caractère de la Strat. Sachant que évidemment, quand on remplace un simple par un double, bah, y a forcément, on perd des choses. Alors on gagne d'autres choses, mais on perd des choses. C'est-à-dire qu'un double qui sonne comme un simple, a priori ça n'existe pas. D'ailleurs, on a fait plein de simples bobinages avec des bobines fantômes, des choses comme ça, pour éviter ce genre de truc. Il y a plein de solutions. D'ailleurs, quand vous avez vu la photo sur Facebook, il y a plein de gens qui m'ont envoyé plein de solutions. Moi, je voulais quelque chose de simple. Et donc, le fait de passer sur un double bobinage m'a paru la solution la plus simple. Je me suis donc mis en quête de ce micro. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai regardé, toujours pareil, les guitaristes qui jouent sur ce type de guitare, c'est-à-dire Strat, avec un double en manche. Et évidemment, je le dis souvent, je suis très fan d'Andy Timmons, donc je me suis intéressé au micro qu'il avait en micro-manche, puisque lui-même dit qu'il utilise ce type de micro pour les problèmes de buzz récurrents sur scène. Et donc, voilà, que les simples bobinages, pour lui, c'est juste inutilisable en concert, parce qu'il y a, ou en tournée, on va dire, parce qu'il y a trop de problèmes de buzz. Et donc, il met ces micros-là sur ses guitares. Et donc, je me suis renseigné. Et donc, j'ai trouvé cette référence DP187 Dimarzio. Et en fait, à ma grande surprise, ce micro est normalement un micro qu'on met en position aiguë. Et lui, en fait, il le met et en position manche et en position centrale. Donc, j'ai acheté ce micro. Il m'a coûté 80€. Et je l'ai monté. Ça a été assez simple. J'ai pas de position split. Hein, d'accord, c'est-à-dire quand je vais sur la position 2, en fait, il reste pleine bobine, voilà. Alors, il a 4 fils dedans, mais comme je ne suis pas un grand bricoleur, il est en double en permanence, parce qu'il fallait, sinon, je ne savais pas où est-ce qu'il fallait brancher les fils, au niveau des bornes et tout ça, donc, il reste en... mais bon, ça ne me dérange pas, et vous allez voir que dans les sons que j'ai faits, en fait, c'est pas gênant du tout. Voilà, je pense que je vais le garder. Alors, pour l'instant, il est encore en test, hein, alors...
Ça fait qu'une semaine que je l'ai, mais enfin, en une semaine, j'ai joué à peu près 6 heures ou entre 6 et 8 heures par jour dessus. J'ai fait une répétition d'une journée avec et j'ai fait tout un concert avec. Effectivement, plus de problème de buzz, c'est assez magique. D'ailleurs, même les musiciens avec qui je joue, je leur ai dit, vous entendez? Ils m'ont dit quoi? Mais je leur ai dit, on n'entend rien justement, il n'y a pas le qu'on a habituellement. Donc ça, c'est vraiment cool. Au niveau du son, bah, comme je le disais tout à l'heure, quand on passe d'un simple à un double, on perd quelque chose par rapport au son du simple et on gagne quelque chose par rapport au son du double. C'est-à-dire qu'on perd le caractère vraiment des simples bobinages en micro-manche. Donc ça, c'est un peu dommage. Par contre, on a toujours cette clarté qu'on a sur les simples bobinages. Je sais pas pourquoi ce micro-là. Peut-être parce que c'est un micro aigu habituellement et que là, il est en position grave. Mais en tout cas, il y a une certaine clarté, je trouve, dans le son. C'est un peu plus fuzzy, je dirais, qu'un simple bobinage. Et par contre, on a bien l'attaque du Mediator, un peu comme un simple. Donc, c'est un micro que je trouve vraiment bien. Voilà, pour 80 balles, franchement. D'ailleurs, quand je l'ai acheté, je pensais qu'il était d'occasion. En fait, non, il était neuf. 80 balles. Donc, voilà. Donc, c'est franchement, c'est pas très cher pour un micro. Alors, oui, il y a des micros boutiques. Oui, il y a des fabricants qui fabriquent à la main. J'en ai plein des micros boutiques. Mais bon, là, je voulais essayer celui-là. Franchement, moi, je trouve que ça fait le job. Ça évite les ronflettes. Donc, je vous ai fait plein d'exemples sonores. Et on commence tout de suite avec les sons clairs. Donc vous avez vu, ça reste quand même assez claquant. On a quand même une espèce on a bien les attaques, un peu comme un simple, mais il y a quand même une espèce de rondeur, hein, je trouve, dans le bas, comme un double bobinage. Mais bon, franchement, ça fonctionne. Moi, en tout cas, ça le fait largement pour moi. Regardons maintenant quelques sons crunch. Intéressant dans ces sons crunch, en fait, c'est que quand je les mélange, c'est-à-dire on l'a entendu aussi sur les sons clairs d'ailleurs, je trouve, quand je mélange micro-manche et micro-milieu hors phase, on retrouve ce côté vraiment strat, un peu cocotte, que je trouve vraiment intéressant. Et
il prend pas trop le pas sur le micro central, donc du coup je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Voilà. Et puis sur les sons lead, bah évidemment, c'est, je dirais que c'est un peu plus facile à jouer sous les doigts, c'est peut-être un peu plus précis qu'un simple, il y a peut-être moins ce truc vraiment dans le haut, mais bon, on garde quand même bien les attaques, je trouve que la force de ce micro-là, en position manche, c'est vraiment la clarté des attaques. Voilà, bon, c'est un peu fuzzy, hein, tous les doubles, je trouve que c'est toujours un peu fuzzy, mais bon, ça marche, franchement ça marche, et surtout, on n'a plus de problème de buzz quand on enregistre, je peux vous assurer que ça change vraiment, vraiment la vie. Donc voilà les amis, ce que je peux vous dire sur ce micro, qui encore une fois est pas très cher, hein, 80 balles, c'est pas hors de prix. Alors je l'ai acheté sur internet, mais à un magasin qui se trouve en France, qui me l'a envoyé par la poste, mais c'était via internet. C'est le moins cher que j'ai trouvé, un neuf, je crois que c'est 84€ ou un truc comme ça. Franchement pour le prix, je trouve que ça fait vraiment, vraiment, vraiment le job. Je trouve que c'est un très bon micro pour un prix accessible. C'est un DiMarzio, bon moi je suis pas hyper fan de DiMarzio habituellement, mais bon, là en l'occurrence, je trouve que ça fonctionne bien. Donc je verrai à l'usage si je m'en lasse ou pas, et si je reviens à autre chose, ou si j'essaye autre chose, mais en l'occurrence je trouve ça vraiment pas mal. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu les amis, voilà, que ça vous aura donné quelques indications sur ce micro, qui étonnamment, quand j'ai publié cette photo sur ma page Facebook, en fait il y a peu de gens qui aiment ce micro, il y a pas mal de gens en fait qui m'ont dit « bof, c'est pas terrible comme micro » et tout, et moi finalement, je trouve que ça fait bien le job, et surtout, j'ai plus ces problèmes de buzz. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Mais je trouve franchement que ça sonne. Donc voilà, donc à vous de savoir si finalement ça vous plaît ou pas. Enfin, si vous cherchez ce genre de micro à mettre en micro-manche, c'est un micro à essayer en tous les cas. Voilà.